Bonjour Monsieur Dorseuil. Tu es rentré le monde, comment il crie pas alors? Quand tu calcules, tu es pas là en poids, t'es là en Ben, vous êtes en train de faire quoi? Tu vois pas qu'on peut faire, mais on peut couper bois. Vous coupez du bois avec une pioche? Ce serait pas mieux avec une hache? Le pied de bois, est-ce que le pied de bois là-haut? Non, la pioche là-haut, non. Ben là, ça m'a fait ça, mais veut t'es. Ben oui, mais avec une pioche, vous arriverez jamais à fendre le morceau de bois. Ben seulement, après qu'une pioche, me guère, on va faire fond à lui, mais ma tête fait bien fait mal, là, comme qu'il faut. Sont jolis vos artichauts. C'est pas d'anti chose, hein, c'est d'anti frais, tu vois, parce qu'il y a un objet frais, ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Voilà, on peut mettre un petit peu la terre avec. Mais pourquoi vous mettez la terre autour des pieds d'artichaut? Tu sais, ben, quand tu es sale, tu bains, ouais. Ben là, pareil, mais un petit peu propreté. Eh ben, Monsieur Dorseuil, il faut avoir de courage pour faire tout ça. Pas besoin de courage pour faire ça. Il faut juste un peu de soignon et un peu de zèbre avec des trois doigts pour le courage. Oh, je pourrais avoir un pied de salade, s'il vous plaît. Non, tu étais pressé, puis de salade derrière moi, mon oreille dans moi, mais mon boy va se faire là. Et là, vous arrachez quoi? Ah, on peut arracher le zèbre là. Parce que moi, je plante un petit trou là. Il y a ouvert un compte Facebook pour lui. Et il y a cette tout le monde en ami, ben, je t'ai baisé, il envahit par tous ses amis. Et là, ben, là c'est moins baisé, hein. Il a pris 4 ou 6 en ami. Hein. Ben, là, le pont envahi, c'est moins baisé. Mais pourquoi vous pleurez? Mon pied de tomate est malade. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a comme maladie, votre pied de tomate? Dans le mildiou, il a gagné le mildiou. Il a le mildiou, c'est quoi ça comme maladie? Ah, le mycoma, c'est quoi comme maladie? Mais le mycoma, bon, allez à 1000, bien sûr. Oh, mais ça vaut pas la peine de pleurer pour un pied de tomate, hein? Ouais, mais hein, on a raison. Hein. Ah, c'est crée, mais pèse pourriture. C'est normal que vos oignons ils soient pas bien alignés? Ben, normalement. Ben, moi, je prends de la nuit, hein. Ben, on était pour veiller la lune. Ben, connais, ben, quand vous plantez la fin, on fait noir, ben, la pêche en travers. Vous comptez quoi là? Ben, pourquoi mes plantes de persil, voilà? Ah bon, et pourquoi? Ben, pour moi, déclarer à mairie, tu que pas, comme là, tu es la fin, faut déclarer. Vous vous reposez? Non, ouais, bon, hein. C'est ma pioche fatiguée, hein. C'est lui pour reposer, hein. Mon corps, il soigne, hein. Pourtant, elle a l'air toute neuve, votre pioche. Oui, mais c'est une pioche électronique, ça. Il fait là, la plus de données mobiles, la plus rien, plus internet. Il croit même pas, sinon, qu'on batterie. Hein. Ça sert à quoi ce petit parc-là? Ça, c'est un petit porc que pour moi, on ferme zèbre dedans, hein. Pourquoi enfermer les herbes? Bien, on ferme les yeux, on n'a plus besoin de gratter, on n'échappe pas. C'est quelle variété de bread que vous avez là? Ah, ça c'est un bread normal, bread standard. Qu'est-ce qui est arrivé à votre pied de piment? Non, c'est un genre de mildiou. D'après moi, la frais, pourquoi caille, aïe, aïe. Et vous comptez faire quoi? Ben, mais ça sonne, y a lui. Là, quand la frais, moi, il faut réchauffer, c'est tout. Après, il sort. Là. Ben là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, quand on finit une journée de travail sur le terrain, on est fatigué. Moi-même, j'aime bien jouer un petit peu pétanque moi, pour divertir moi un peu. Bon. Vous jouez tout seul? On me préfère jouer moi tout seul, au moins, c'est une pète pas. Mais je pourrais peut-être jouer avec vous? Ah, vous voulez jouer pétanque, t'es ben, faute, tu vas passer droit à jouer, ben, maman.